Good morgen, allez, Iden et Sus, aujourd'hui le Nishmat Esther, Bat Miriam, Yaakov Ben Levana, Ve Yosef Akab, ainsi que l'Irfoua de l'Evangile de Shimon Ben Chayester, Khamchat Mir Bat Ruzlena, et Ben 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 Rivia, Vitor Chakro d'Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude du Mishnah, contactez 5 minutes d'éternel. Nous étions à Sakhat Erovin, Perekret Mishnatet, Chatzer Shei, Pruta Me Arba Amot, En Shofrin Betocha, Maim Be Shabbat. El Imken Asula Uka Machazeket Saataim, מן הנקב ולמטה, בין מן בחוץ, בין מבפנים. אלא שמבחוץ צריך לקמור, מבפנים אל צריך לקמור. On a jusqu'à maintenant parlé, depuis le début du chapitre, sur la manière de puiser de l'eau à Shabbat, dans différentes situations, s'il y a un puits qui se trouve entre deux domaines, s'il y a un ruisseau qui rentre dans le, qui rentre ici, comment est-ce qu'on puise l'eau si on a, on réussit à faire descendre depuis sa fenêtre un seau, dans le lac qui est en dessous. Ça, c'était jusqu'à maintenant. Pour donc apporter de l'eau à la maison. Maintenant, on va s'intéresser à la question de faire ressortir l'eau de la maison. À savoir, imaginez un petit peu la situation à l'époque où il n'y avait pas d'eau courante à la maison. Il fallait se prendre la tête pour avoir de l'eau à la maison et aussi pour ensuite quoi faire avec les restes d'eau qu'on a à la maison. On a fait de la vaisselle, on s'est lavé les mains, on s'est lavé les pieds, la figure, le visage, que vous voulez. Et après, on a les restes de l'eau. Où on verse cette eau? Il n'y avait pas non plus d'égout dans les maisons, il n'y avait pas de canalisation, donc il fallait jeter ça dehors. D'où le problème. Si tu les jettes dehors, où tu vas les jeter dehors? Tu vas jeter dehors, dans la rue, ça sourd. Tu es dans le Rechout HaYechid, tu ne fais pas sortir l'eau dans le Rechout HaRabim, bien évidemment. Alors, quelle était la solution qu'ils avaient tous? Ils avaient une cour devant chez eux. J'ai introduit comme ça après, vous allez, on va lire et traduire la Mishnah directement, vous allez tout comprendre. Donc, il y a maintenant, ils avaient une cour devant chez eux, ils versaient l'eau dans la cour, après... Après moi le déluge, comme on dit en français, ou même en hébreu, Haraï Amaboul, je verse, et puis si c'est en pente et ça sort dans le Rechout HaRabim, c'est pas un grave problème. C'était à peu près comme ça que ça se passait tout le temps. Ils versaient devant chez eux dans la cour qui était devant, et puis une fois qu'ils versent, ils le laissent, ça dégouline ou ça dégouline, même si ça tombe dans le Rechout HaRabim, en théorie, il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est parce que ça ne peut pas que je verse dans le Rechout HaRabim. Moi, j'ai versé chez moi. Mais ça, c'est à condition que lorsque tu verses chez toi, c'est censé rester chez toi. À savoir, il y a assez de place dans ton sol pour que ça se fasse absorber dans le sol, par rapport à la quantité d'eau que tu vas jeter. Si toutefois tu vas te trouver avec une cour qui est tellement petite que dès que tu vas verser forcément ton eau, elle va forcément partir à l'extérieur, elle ne va pas stagner, alors là, tu vas te retrouver en problème. Parce que si tu me dis, parce que concrètement, tu es en train de verser l'eau dehors, même si concrètement, toi, tu verses ici, devant ce qui est devant chez toi, mais alors là, on va entrer dans un deuxième paramètre, c'est que si tu le verses devant chez toi et que tu as une cour trop étroite, tu as par exemple 2 amotes, il faut minimum 4 amotes comme ce qu'on va voir tout de suite. Il faut 4 amotes sur 4 amotes au minimum pour que, de manière générale, un homme utilise comme quantité d'eau une Saataim. Ouais. 2 CA. On va appeler selon ESK, LAV, GUDO, CA, CAV, LOG, BEITSA, VUDO. Ça va nous faire 6 x 6, 36 x 4, 144. 2, 288. 288 œufs, c'est la quantité d'eau qu'une personne utilise pendant un Shabbat. Plus ou moins, par jour, pour se laver les mains, le visage, et les quelques besoins minimums. Alors, il utilise cette quantité d'eau. Cette quantité d'eau, elle se fait absorber dans un espace, une surface de 4 sur 4. Alors là, ça se fait absorber. Si tu mets cette quantité d'eau dans une surface plus petite, alors, si l'eau stagne, ça se transforme en boue, d'accord, en gadou, et c'est désagréable. Du coup, ton intention quand tu verses l'eau, c'est qu'elle aille dehors. Alors là, on arrive au problème de la Mishnah, que si tu as une cour trop petite, que tu vas verser l'eau, et que la cour, elle est trop petite, donc ne me dis pas que tu verses devant chez toi. C'est pas vrai, parce que si tu versais devant chez toi, ça se transformerait en boue, et toi, tu n'as pas d'intention, tu ne veux pas qu'il y ait de la boue chez toi. Donc quand l'eau, elle continue dehors pendant que tu es en train de verser, t'es content que ça sorte dehors, donc ça s'appelle que c'est toi que tu le fais consciemment, tu es en train de verser l'eau depuis le Rechout HaYechid au Rechout HaRabim. D'accord? Et donc il y aura une solution proposée par la Mishnah. Déjà je commence à traduire le début, vous allez voir. Chatzer Shei Pruta Me'arba Amot, une cour qui n'a pas dedans 4 Amot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 4 sur 4. D'accord? 4 sur 4 Amot, donc 2 mètres sur 2 mètres. En Shofrin Betocha Maim Shabbat, on ne pourra pas verser l'eau pendant le Shabbat. Et là, imken asula uka machzeket saataim minanekevulmata. Sauf si toutefois tu lui as fait une uka,
Ouka, c'est une gouma, c'est une, je sais pas comment traduire le mot, une crevasse, t'as creusé dans le sol, et pour que l'eau puisse stagner là-bas. Combien elle doit contenir cette ouka, cette petite, comment dire, crevasse, allez. Alors, il faut qu'elle puisse avoir, contenir cette quantité de saataïm, de 2 CA, donc 288 œufs en volume. Un œuf, ça fait 54 cm3, et, ou 57, je ne sais pas, bon. Et 56. Minhan nekev ulmata. Elemken asula uka marzeket saataïm. Minhan nekev ulmata. Sauf si tu la fais, donc, une petite fosse comme ça, où l'eau elle va en rentrer dedans. Et elle ne va pas s'écouler, c'est-à-dire depuis là où il y avait le tuyau pour évacuer l'eau, pour que ça tombe dans le Shuravim, il faut qu'en dessous, que ça puisse contenir quand même cette quantité de Saataim, de 2 CA, donc 288 œufs. Et après, la Mishnah rentre dans un détail en disant Ben mi bachus, ben mi bifnim. Pour le moment, je m'arrête là, après j'explique un peu mieux. Soit, je reprends un homme, il utilise comme quantité d'eau ce volume de 2 CA. C'est sa quantité d'eau qu'il utilise en. C'est sa quantité d'eau qu'il utilise pour une journée. Donc, tu veux verser l'eau devant chez toi, il faut nécessairement qu'elle puisse, que ton eau soit, théoriquement, puisse rester absorbée ici, sans que ça te fasse de la boue, sans que ce soit désagréable. Du coup, si toutefois il y a ces conditions requises, alors quand tu vas verser l'eau, si toutefois l'eau sort dehors, c'est plus ton problème, c'est l'eau qui a décidé de partir dehors, mais t'as pas d'intérêt dans ça. Si ta cour elle est trop petite, alors dans ce cas-là, tu ne veux pas que l'eau elle reste ici, parce que sinon si ça stagne, ça va devenir une boue très désagréable. Tu veux qu'elle sorte dehors, puisque tu veux qu'elle sorte dehors, donc quand tu verses, tu es en train de la faire sortir du Roshut Hayechid au Roshut Harabim. La solution, c'est que quand tu as une cour trop petite, alors tu creuses un petit peu, un volume qui va contenir donc l'équivalent de 288 œufs, le Rama dans le Shulchan Aruch Sivan Shin Nun Zayin, rapporte que ça fait une taille de une demi-ama, un carré creusé, de une demi-ama sur une demi-ama, donc si vous prenez une ama, c'est 50 cm, prenons, donc ça fait 25 sur 25, et sur une hauteur de 3 cinquièmes de ama. D'accord? Donc 30 cm. Et là, vous avez, si vous avez ce cube-là, c'est la quantité d'eau qu'on utilise pour une journée. Donc tu dois creuser ça, bien sûr, sous le tuyau, c'est-à-dire que quand tu verses, l'eau, elle est censée rester là, donc l'eau, maintenant, tu verses l'eau, tu pourras nous affirmer que l'eau, tu la verses avec intention que ça reste ici. Et si toutefois l'eau, elle a décidé de partir ailleurs parce qu'il y avait trop d'eau, parce qu'il y avait même dedans, il y avait déjà de l'eau qui avait été versée avant Shabbat, c'est plus ton problème parce que toi, de ton côté, tu n'as pas de contre-indication à ce que l'eau reste ici. Donc tu peux définir que mon acte, que ton acte, c'est de verser chez toi et que l'eau après continue en deuxième force à continuer dans le Roshut Harabim, c'est plus tellement ton problème. D'accord? J'insiste sur le... Maintenant, je précise une précision super importante avant d'arriver à la suite de la Mishnah, que c'est très important que l'eau puisse se faire absorber chez toi sans te faire de la boue, comme ce qu'on a expliqué. À exclure de là quelque chose d'important, c'est que tout cet interdit de la Mishnah ne concerne que les jours de pluie, que les jours d'été. Le jour où il y a du soleil, où de toute façon, il n'y a pas de boue devant chez toi. Alors dans ce cas-là, on sait pertinemment que dans ton inconscient, si tu as une contre petite, tu ne veux pas que l'eau stagne. Mais si de toute façon c'est un jour pluvieux ou de la boue, tu en as à n'en plus finir, dehors et même dedans. Donc toute cette petite cour, elle est déjà de toute façon toute boueuse. Alors là, de nouveau, tu pourras verser dans la cour, même si s'il n'y a pas de quoi se faire absorber ici pour le moment, parce que la cour est trop petite. Puisqu'on est dans un jour de pluie, alors on suppose que tu n'as pas de problème que l'eau elle reste ici et qu'elle soit absorbée. De toute façon, il y a plein de pluie et il y a plein de boue. Donc du coup, si l'eau va continuer à sortir parce qu'elle ne s'est pas faite absorber concrètement, c'est plus ton problème, c'est une deuxième force, c'est plus ton action de l'avoir fait sortir, d'accord? Maintenant, par rapport à cette ouka, à cette gouma, à cette crevasse-là qu'elle a creusée, pour qu'elle puisse contenir l'eau et rester ici. Alors la Mishnah me dit, tu sais, on parle que tu as une cour très petite, elle te fait l'équivalent de 1 mètre et demi, elle ne te fait pas encore 4 amotes. Tu la creuses. Tu peux la creuser chez toi, c'est l'idée. L'idéal ou pas l'idéal, je ne sais pas. Tu peux la creuser toi, mais sache que tu peux même aussi la creuser sous le Roshut Harabim. C'est-à-dire, tu débordes, en fait, ça se passe comme ça. Tu débordes, tu la creuses dans le Roshut Harabim, mais au-dessus du Roshut Harabim, tu vas la fermer avec des tasseaux de bois. D'accord? De manière à ce qu'on va pouvoir marcher au-dessus. Et l'eau que tu vas verser, elle va partir, elle va stagner en dessous. Ok, c'est clair? Donc, tu creuses en dessous sur le Roshut Harabim,
Tu mets dessus du bois, comme ça, les gens, une planche de bois. Comme ça, les gens, ils marchent sur la planche de bois. Toi, quand tu vas chez toi, l'eau, elle sort de ta cour, mais elle va d'abord rester dans ce nouvel endroit qui a été creusé. Là, c'est bon, cet endroit qui a été creusé, c'est plus un rocher d'argile, puisqu'elle a été couvert. Il a pris un statut de Makom Tour. D'accord? On fait ça dans le monde de la Mishnah maintenant. Donc, on avait dit que, sauf si tu lui fais une houka, que tu creuses, ce petit trou-là dans la terre, ben mi bachus, ben mi bifnim, tu peux même le faire à l'extérieur, même si tu veux, ou bien tu peux le faire à l'intérieur chez toi dans ta cour. Et là, chez mi bachus, sauf que si tu le fais à l'extérieur, tu as décidé de le faire dans le rechut rabim, alors dans ce cas-là, tzarich likmor, il va falloir la recouvrir. Likmor, le partenaire explique, je ne sais pas c'est quoi l'origine de ce mot, c'est la première fois que je le rencontre. La sot alea kemin kipa, mechusa lemala, kedesh ete chaluka mi rechut rabim. C'est-à-dire que ce, tu devais devoir l'être comérée total, je ne sais pas ce que ce mot, donc on a dit se recouvrir, tu lui fais comme une kippa, comme ce qu'elle va le recouvrir, donc tu vas recouvrir cet endroit-là, et afin que maintenant, elle ne va plus avoir un statut de rechut rabim, et donc, et la chimérose, c'est l'ikmor, mais mibifni, même c'est l'ikmor, par contre, si tu la creuses chez toi, dans ta cour, à l'intérieur de la maison, là, c'est pas grave si tu ne la recouvres pas, parce qu'il n'y a pas de problème, ça va sortir de chez toi, jusqu'à dans la cour, et puis après, comme on expliquait après pour toutes les soirs, de ça sortir ensuite en poêle, en deuxième force. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.